Ok. Bienvenue les gars, aujourd'hui le but c'est de monter sur les toits une nouvelle fois avec mon VTT. Je reprends la même équipe, je vais vous la présenter. Welcome guy. Oh, bonjour. Body kebab, body pasta. Et ça fait un kebab au pasta, yes voilà. Toujours, c'est avec eux que j'étais monté sur les toits de Grenoble. Et là on va pas parler trop fort parce qu'on s'apprête à monter sur de nouveaux toits. Je rappelle que cette vidéo est très dangereuse, on prend nos responsabilités. Ce qu'on va faire c'est interdit et c'est surtout très dangereux. Donc ne reproduisez surtout pas ça, c'est réalisé par des professionnels. Et je remercie Shox, le partenaire de cette vidéo. Shox qui m'a envoyé ses écouteurs à conduction osseuse. Merci à eux, ça fait très plaisir. C'est le modèle Open Run Pro. Je sais pas si vous connaissez, les écouteurs sont pas dans les oreilles. Tu les mets, hop, en plus ce qui est bien c'est que je peux les mettre avec le casque, ça dérange pas. Je vais les allumer et en fait ça va directement agir sur les os et je peux entendre tout ce qui se passe autour de moi avec de la musique. Les gens à côté de moi n'entendent pas ce que j'écoute, hein. C'est la question qu'on m'a posée tout à l'heure. Garantie 2 ans, tu peux répondre aux appels, c'est étanche. Donc là je mets une petite musique mission impossible pour notre mission immeuble et c'est parti. Et vraiment, oh, la sensation. Si vous avez jamais écouté ou essayé ce genre d'écouteurs, je vous conseille vraiment de les essayer. Quand tu es à vélo ou que tu cours, en fait, bah, au moins tu entends tout ce qui se passe à côté de toi, tu entends les voitures qui passent. Allez, let's go, petit échauffement prévu, les gars sont déjà en train de s'échauffer. Et là, il manque plus que ton camion et... C'est clair. Je vais gonfler un peu l'arrière parce qu'avec les sauts énormes là qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pas envie de crever. Je vais mettre un peu plus que d'habitude. L'idée c'est de trouver un jump qui est mortel. Mortel, c'est le cas de le dire. Mousetage. Alors tu l'as sur le téléphone qu'on monte. Mousset Thomas, ils l'ont déjà fait. Je vais vous le montrer déjà un peu ce que ça peut donner version parcours. Faire ça avec le vélo. Le saut c'est ça. Grosso modo. Ah ouais, et là t'as 12 étages en dessous. Et là t'as 12 étages en dessous mon gars, c'est les portes de l'enfer. Oh my god. Très clairement. On y va quand? Peut-être qu'on commence par un spot un tout petit peu plus tranquille. Exactement. Pour garder un peu le suspense, parce le watch time. En vidéo c'est toujours moins gros. Ouais. En vidéo je sais que ça écrase vachement, surtout en caméra embarquée comme là. Le saut il est énorme. Je pense qu'il fait au moins 2m50, 3m peut-être de long. Surtout 12 étages en dessous. On se tente 2-3 gros sauts. Au pire on se lance le challenge. T'y arriverais toi à pied ou pas? Avec de l'élan. Ça part en challenge, vélo contre parcours. Let's go guys. Ah, merde. Oh, oh là là. J'ai failli l'avoir du premier coup. Je me suis touché. Oh, c'est quoi? C'est un essai ça hein. Là. Oui, oui, oui. Allez. Allez, ça va facile. Bouya. Ah. Yes. Et c'est validé. Congrats. 1-0 pour le parcours. Mousse, qu'est-ce que tu proposes comme défi? Sur le rebord. De là où on est là? Oui, ah, là-bas, ouais. Bon, ça va, je suis sûr. Hein. Vas-y, essaye. First try ou pas? Ah, first try. Yeah. Stabilisé. Attends, j'essaye à pied. J'essaye à pied. Je le fais à pied. Vas-y. Si j'y arrive, je rejoins le gang. Hein. On m'appellera Body Pizza. T'es italien? Français. T'es français. Body fromage. Body fromage. Body fromage. Body. Le fromage, c'est français. Body noir. Body, la noix. Body raviole. Oh, défonce les pieds hein, d'arriver dans les arêtes comme ça. Allez mon gars. Ah, putain. Oh, j'ai eu peur. Ta roue avant n'est pas bon ici, je sais pas. Mousse, challenge tout de suite. Ok, backflip. Ish. Yes. Boum! On est chaud ou quoi les gars? Bien joué. Très chaud, on y va? Chaud, là, Thomas, attends, pour ce jump incroyable. Oh, il était bien! Ok, nouveau spot. Du mur jusqu'à la poubelle. C'est un obstacle modulaire, on peut le bouger, c'est bien. Exactement. Vas-y, mets-le jusque ici là. Regarde le rat mort qui est à tes pieds là. Ah, il y en a un deuxième. Ah, il y a un deuxième rat. Non, là c'est bien là. Par contre, ça bouge à fond, non? Voilà, faut que tu remontes. Yes! Il va pas se renverser, hein. Au pire, tu seras le deuxième rat mort à écraser là. Hein. Let's go. Nice. Wow. Tiens, Mousse. Ouais, je monte. Yes. Ça. À moi. Ça recorde. Ah, la police, ils sont choqués. Next spot, on va où les gars? Next spot, straight. Là, dans la première vidéo, je me souviens qu'on s'était fait virer quand même plusieurs fois. Hein. On voit le bike. Et ouais, vas-y, monte tout en haut. J'envoie le vélo. Quoi? De là à là? Et là-haut, c'est quoi? C'est de la ferraille? Là-haut, ouais, c'est de la ferraille. Voilà, t'as même... Merde. Là,
Par contre, il y a une espèce de grille là avec plein de pollen au bout là. Elle tient pas hein, la grille noire, on est d'accord. Je vais avoir 4 mètres d'élan. Vous l'avez déjà fait ou pas? Ouais. Ça passait bien. Ouais, oui, du coup là, en vrai. Ah, tu fais un pied? Ouais. Ah, tu pars pas de là? Non, on prend le pied. Tu pousses là-bas. Ouais, on va partir là-bas, on va faire un rush. Moi, ça filme. Allez, les gars. Eux, ils font un combo là. Bien joué les gars. Par contre niveau discrétion, c'est à revoir. Hein. Bon allez à moi. Ah ouais, c'est pas la même là. C'est dinguerie. Si jamais Aurélien il envoie ça, et je sais qu'il va l'envoyer de toute façon, mais dinguerie là, je suis en train de stresser pour lui. Tout se mettre en place. Oh la dinguerie. Yeah. Yeah. La dinguerie mec. Premier tour à valider les gars. On bouge. Je suis dès que la caméra ça écrase toujours un peu hein, parce que les gens ils se rendent pas forcément compte. On en a vu un nouveau là. Incroyable de spot. Là non. Ce mur là. Je suis sûr avec le vélo c'est possible. Ils ont été poncés un peu les murs. Comment il l'a 15 fois? Ah le plan d'ici est incroyable. Moi je le fais. Allez je me chauffe parce que là il y a la sécurité juste en bas. Donc on va se dépêcher de le faire. Let's go, je te passe la caméra. Ouais. Dinguerie atomique. J'étais pas celui-là. Bon, on va sur le toit maintenant. Le fameux toit. Ouais. The famous, the big one. Allez, let's go. Bon, là, c'est the move. Si on arrive à monter sur le toit, le fameux toit, le plan va être incroyable. Là, déjà, on a cassé un peu le game. Mais alors là, on va vraiment doublement le casser. Let's go. J'ai hâte de voir ce petit toit. Vous avez le code de la porte ou pas? Bon, on verra. On verra quoi. Ah, attends, il y a un truc à Grenoble que je voulais faire. Les Grenoblois, vous penserez à moi comme ça. La fameuse fontaine. Avec les boules, normalement elle tourne. Hein. Je filme, je monte dessus. Non, celle-là elle bouge pas par contre. Hein. Mais je croyais que ça tournait avec l'eau, non? Il y a pas un truc comme ça avec la pression de l'eau, ça tourne? Easy. Allez, go. Ça continue, vas-y, let's go. Yes. Yes. Je fais les poteaux. Wow. Ah bah non. Maintenant vas-y. Yeah. Ah facile. Fallait le lâcher, c'était rigolo. Allez let's go, on arrive au spot. L'idée, ils ont pas le code pour entrer, donc soit on attend des gens pour avoir la porte ouverte, soit faut sonner et en espérant que quelqu'un nous réponde. Y a pas de besoin magique cette fois-ci. Alors incroyable, là on attend depuis 10 minutes, Thomas vient de trouver une personne qui nous ouvre. Gentiment. Merci beaucoup madame. Merci. Incroyable. C'est parti. Ça rentre. On sonne aux portes. Non. Fais-nous un beau travelling. C'est parti. Ça va être très très long. Ah ouais, ça va être long. Ah ouais. Là on arrive, on va pas faire de bruit. Ah ouais, là c'est bon, on peut reparler. On va pas faire trop de bruit parce qu'il y a les maisons juste à côté, les balcons juste à côté. Mais what la vue? Le saut, attends, je le regarde pas pour l'instant. Quoi? Non, tu fais blanc. De là, attends, j'ai peur d'avancer déjà. Non, vas-y. De là à là. What? T'es sérieux? Ah mec, t'as fait ça? C'est possible. Là à là? Pour l'instant, je regarde. Ils m'ont amené dans un truc. De toute façon, c'est simple. C'est soit je le sens et j'y vais, soit j'hésite et j'y vais pas. Dans ce genre de truc, t'as pas le droit d'hésiter de toute façon. Tu vas à 100%. Sinon, c'est là où tu risques de tomber. Bon, t'as le palpite quand tu montes. T'as le palpite. Ah, tu veux être déguisé en plus. Ah ouais, tu vas me faire kiffer. Par contre, il y a un peu de vent. Hein. Ça me fait flipper. Le vent, là, tu pars de travers. Par là-bas, on peut y aller. Je pense que j'y vais en premier. Ah, de là, c'est le meilleur plan.
Ok les gars, concrètement il y a 3 mètres ici, mais il y a surtout 12 étages. Ok, ça part de là, j'y vais direct. Let's go, c'est parti. Allez, vas-y, il y a un peu de vent, mais ça va. Dès qu'il n'y a plus de vent, j'y vais. Vous pouvez m'envoyer le vélo ? Allez, let's go. Vise l'arête. Bam, bam, je m'arrête sur la plateforme. Après, deuxième saut là-bas. Let's go, les gars. Allez. Ok. Il a lâché là-haut, mon gars. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Le saut de malade. Le saut de malade. J'ai flippé. J'ai le frein arrière qui a zippé juste quand j'étais sur la plateforme. J'ai cru que j'allais me renverser. Oh là là. Pression. De là-haut, tu sais plus du tout ce que tu vaux. Tu te remets en question. C'est un truc de dingue. Et là, ils sont partis pour le faire à pied. Je crois que j'ai encore plus peur de les voir que de le faire moi. Je tiens vraiment à rappeler que le but, c'est pas forcément de faire du buzz. C'est ça aussi le sport extrême. On a envie de se dépasser, de voir de quoi on est capable, d'aller toujours plus haut, toujours plus loin, faire des trucs toujours plus fous. J'ai dit ça, j'aurais jamais envoyé si je sentais pas la distance. Là, la distance, je savais que je l'avais. Et eux, c'est pareil. Ok, Thomas, il se chauffe, c'est parti. Yes! Incroyable! Yes! Yes, le combo, il est incroyable! Il est fou, incroyable. Ce gars! Incroyable! L'insolence! Ils sont fous! Ils sont fous, ces gars! C'est un truc de fou! Bien joué, mon gars! Bien joué, mon gars! Bravo, c'est à toi! Bon, ça. On a été bon, là. 2 sur 3! 2 sur 3! Allez, Mousse! T'es le dernier! Allez, Mousse! Là, après, faut pas qu'on lui mette la pression pour rien, tu vois! Peut-être mon ref, ta vie, elle est pas en jeu, t'inquiète! C'est pas regardé en vrai! Ce qui est là, ça existe plus dans ta tête! En fait, ça aurait été ultra safe, c'était juste une plateforme ici! Ouais! Là, ce qui est chaud, c'est qu'il faut s'arrêter pile poil ici! Exactement, mon gars! C'est ça moi qui me faisait peur, parce que tu me fais une plateforme comme la dernière vidéo là, les yeux fermés. Let's go. Ouais, t'inquiète, prends ton temps. Dès que tu le sens, bam. De toute façon, dans ta tête, t'as toujours un petit déclic. T'attends, à un moment donné, ton cerveau, il pense à plus rien et let's go. Là aussi, s'il m'arrive quoi que ce soit, je lègue tout à ma soeur Lina et à ma daronne. Ok. De toute façon, c'est sur ma chaîne, donc c'est moi qui prends tous les sous. Non, allez, on rigole pas là. Franchement, il y a un petit moment de concentration. Au début, tu rigoles. Après, un petit moment où il faut être calme. Est-ce que c'est mieux de là? Je vais mettre de l'autre côté. Pour moi, c'est le plus fou de l'autre côté. Ah ouais, l'angle ici il est fou hein. Là tu vois les 12 étages mon gars, tellement profond que c'est tout noir au fond quoi. Allez il est parti, let's go. Pas sûr vraiment de le faire là, il attend. Allez réfléchis pas mec. Allez. Allez. Non mais t'inquiète, prends le temps Mousse. Je me mets à ta place tout à l'heure là. C'est horrible. Imagine la sensation que tu vas avoir après par contre. T'as tout le stress avant de partir et t'as toute cette décharge à la fin. Ah mais là je me mets trop à sa place tout à l'heure. En vrai là attends, je vais m'éloigner un petit peu. J'ai pas envie de qu'il entende. Et le problème de ce genre de truc c'est que plus t'attends, plus c'est compliqué d'y aller. Clairement vaut mieux revenir le lendemain et y aller boum direct motivé que qu'attendre. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Échec? T'y vas pas? Ce qui va après c'est la sagesse hein. Ouais mais la distance je sais que tu l'as. Après y a des moments tu vois. L'autre fois sur un auto je suis pas allé et 10 minutes après j'ai cassé ma chaîne tu vois. C'est le destin. Là je suis en train de te faire bader, tu vas jamais y aller là mais. Et dis-toi que t'as pas de chaîne sur ton lacet il va casser, c'est pas grave ça. Non mais il y a des moments faut le sentir, en vrai c'est toi qui vois, hein. Moi je suis là pour te motiver jusqu'à la fin. Ok c'est un échec, c'est pas que je suis content qu'il le fasse pas. Mais on est aussi là pour montrer que on fait pas ça de manière inconsciente. Attends je me faufile pour aller le voir. Moi je suis content de ta réflexion tu vois. On montre aux gens qu'on fait pas ça de façon débile. On n'est pas là à sauter à la mort. Que chacun est conscient de ce qu'il fait. Pensez bien sûr à vous abonner à ces deux monsieur, Body Kebab, Body Pasta sur Instagram, la chaîne YouTube Hero Squad. Voilà, ils sont en Spider-Man, ils sont en... C'est quoi ce déguisement? Alors moi je suis ça, nul c'est en... Demon Slayer. D'accord, ils vont se déguiser avec plein de trucs, donc restez bien connectés. Et puis moi bah, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les gars, j'espère que vous avez aimé ce concept. Ciao.